Bonsoir à tous et bienvenue dans votre QCM. Ça y est, le mois de mars est arrivé, la nature reprend doucement des couleurs, le soleil brille de plus en plus, les oiseaux chantent dans les villes et dans les campagnes, et puis surtout, il y a le QCM. Le printemps, c'est aussi sur ce plateau avec nos fleurs parmi les fleurs, nos trois nouveaux candidats, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Et puis en ligne de mire, un super cadeau, comme d'habitude, regardez. Envolez-vous à destination de Rome. Odeya, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre deux billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Allez, pas plus de suspense, on va aller les rencontrer, ces trois candidats. C'est parti, on fait nos premiers pas. Annadelle, Jean-Luc et Chantal, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Top. Bien. Très bien. Tout va bien, vous avez été bien accueillis à KTO ? Parfaitement. Oui, bon, oui. Super. Annadelle, on va commencer par vous découvrir. Très bien. Vous venez d'où ? À côté, sur Rennes. Sur Rennes, ouais, donc en région parisienne. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Web designer, ouais. Et comédienne. Voilà, deux casquettes, deux taf. Très bien. Je vois ça, oui. Vous êtes aussi animatrice, je crois. Tout à fait. On partage le même métier, la même passion. Exactement, pour la Suisse. Pour la Suisse, qu'est-ce que vous faites très précisément ? Je fais de la call TV, de l'animation en direct, 3 heures, sans pub. Ouais. Très bien. Parfait. Vous avez une passion que vous avez transmise à nos équipes, c'est l'apéro. Toujours avec modération, évidemment. Vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit, oui, mais je ne pensais pas que ça allait être relevé. Mais avec grand plaisir, oui, oui. Bah, quand vous voulez, je vous invite à la maison. Voilà. Donc la convivialité, le sourire. Voilà. Très bien, un fromage, saucisson, tout va bien. Bon, super. Je ne sais pas s'il y aura des questions gastronomie, alcool ou autre. Je ne pense pas. Ça passe. Mais est-ce que vous êtes prête pour ces deux minutes de questions ? Pas prête, mais je vous écoute. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Top pour le chrono. Combien de temps durent les grands exercices spirituels de Saint-Ignace ? Réponse A, 30 jours. Réponse B, 45 jours. Ou réponse C, 3 mois ? 45 jours. Et non, c'était 30 jours, 1 mois. C'est déjà pas mal et puis ça fait du bien. Dans la galette des rois, en quel siècle les fèves en porcelaine ont-elles pris la place des haricots ? Est-ce au 19e siècle, réponse A ? Au 16e siècle, réponse B ? Ou bien au 17e siècle, réponse C ? Je vais rester sur la B. Eh bien non, c'était le 19e, tout simplement parce qu'avant le 19e, on ne savait pas faire de porcelaine. Quelle ville proche du Havre fut la capitale de la Belgique durant la Première Guerre mondiale ? Est-ce que c'est Sainte-Résidence ? Est-ce que c'est Sainte-Adresse ? Ou est-ce que c'est Saint-Lieu ? Allez, résidence. Eh non, c'était Sainte-Adresse, je ne vous adresse pas de points. Quel apôtre a comme attribut une bourse d'argent dans la scène de Léonard de Vinci ? Une bourse d'argent. Est-ce que c'est Judas ? Est-ce que c'est Matthias ? Ou est-ce que c'est Nathanaël ? Nathanaël. Et non, c'était Judas. C'est la bourse que les Romains lui ont donnée en échange de Jésus, évidemment. Quel évêque est prélat de la mission de France ? Est-ce que c'est l'archevêque de Sens-Auxerre, je vais y arriver, l'archevêque de Paris ou l'archevêque de Strasbourg ? La A. Oui, l'archevêque de Sens-Auxerre. Vous êtes dans le bon sens, ça fait un point, bravo. En France, quelle était la contenance du boisseau dont parle Jésus ? Environ 1000 litres, réponse A. Environ 100 litres, réponse B. Ou environ 10 litres, réponse C. Oh, on va rester dans l'apéro, 10 litres. C. C, 10 litres, exactement, bravo. Quel nom a pris le parcours de formation spirituelle et pratique de l'Emmanuel fondé sur l'enseignement social de l'Église ? Le parcours Bartimée, le parcours Zachée ou le parcours Zoé ? A. Eh non, c'était le parcours Zachée, voilà. Dans quelle prière est l'extrait traduit ainsi ? Vers toi nous élevons nos cris, pauvres enfants d'Ève exilés. Est-ce que c'est le Salve Regina ? On a le temps de peser cette question. Okay. Le Salve Regina, réponse A. L'âme du Christ, réponse B. Ou Alma Redemptoris Mater, réponse C. Pardonnez-moi, la B. Et non, c'était Salve Regina, qui n'est pas qu'une pizza, c'est aussi un chant, évidemment, et une prière. Bon, Annadelle, ça vous fait quand même 2 points. C'est pas si mal. Ça va, ça passe. Ça passe. Bon, Jean-Luc, à vous, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous venez d'où ? De Paris, 14e arrondissement. Oui. C'est pas loin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ben, je suis retraité, et je suis père et grand-père, 4 petits-enfants. Et puis je fais des randonnées, et puis je suis bénévole dans ma paroisse et également dans une autre association. Ce sont les petits frères des pauvres, on peut en parler, hein, citons-les, puis dites-nous ce que vous y faites précisément. Oui, 2 activités. D'abord, je suis le responsable du réveillon des petits frères des pauvres, réveillon de Noël dans le 14e arrondissement. Et puis également, j'assure la responsabilité d'un séjour de vacances des 2 personnes âgées
dans l'une des maisons des petits frères des pauvres l'été. Et on emmène 12 personnes âgées, nous sommes un groupe de 12 bénévoles pendant une douzaine de jours environ, et c'est un séjour toujours très sympathique, chaleureux et qui fait beaucoup plaisir aux personnes âgées. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet-là, on recherche des bénévoles. Ah, alors, mais c'est le moment, vous pouvez passer effectivement. Ah, j'en profite. Hein. Ouais. Dites-nous justement, qu'est-ce que ça vous apporte intérieurement d'être bénévole comme ça ? Parce qu'aujourd'hui, le bénévolat se fait de plus en plus rare, on donne de moins en moins aux gens. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Ben, je pense que ça fait beaucoup plaisir. Ça fait beaucoup plaisir aux personnes âgées. Donc votre plaisir, c'est de faire plaisir, en oui, gros. Oui, c'est ça. Et elles nous sont reconnaissantes, elles nous le disent. Hein. Pas toutes, mais on le sent que... Et puis c'est souvent après qu'elles nous le disent. Bon, et l'une de vos passions, c'est la randonnée. On va donc prendre le chemin de mes questions. Oui. C'est parti. Il y aura peut-être des petites pierres, il y aura peut-être des... Voilà, hein. Ah, il faut faire attention où on met les pieds. Hein. Exactement. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Quel est le livre biblique abrégé par les lettres JN ? Est-ce que c'est la première lettre de Saint Jean ? Réponse A. L'Évangile, selon Saint Jean ? Réponse B. Ou bien le livre de Jonas ? Réponse C. Réponse B. Exactement, l'Évangile selon Saint Jean. Un point. Quel jeune dominicain espagnol prêcha dans toute l'Europe pour l'unité de l'Église et mourut à Vannes en 1419 ? Est-ce que c'est Émilio Chaumet ? Réponse A. Vincent Ferrier ? Réponse B. Ou Justin Congé ? Réponse C. Vincent Ferrier. Et c'est juste une bonne réponse, ça fait deux. Quel pharaon imposa à toute l'Égypte le culte unique d'Aton et changea son nom en Akhenaton ? Est-ce que c'est Toutmosis II ? Réponse A. Ramsès III, réponse B, ou Imenophis IV, réponse C. Amenophis IV. Amenophis IV, oui, c'était ça, bravo, Imhotep, vous avez la bonne réponse. Une purification rituelle, le plus souvent accomplie par aspersion, peut s'appeler lustrage, réponse A, lustration, réponse B, ou illustration, réponse C. Lustration. Oui, c'est une réponse dont on se souviendra pendant des lustres, et ça fait 4. Quel est le point commun entre Brigitte de Suède, Catherine de Sienne et Cyril et Méthode ? Ils sont morts à Rome, réponse A. Ils sont copatrons de l'Europe, réponse B. Ou bien ils avaient un jumeau, réponse C. Ils sont copatrons de l'Europe. Merci patron, merci patronne. On continue, c'est la bonne réponse. Quelle bataille de 1212 annonce le déclin de l'Empire musulman d'Espagne ? La bataille de Lépante, la bataille de Salamine ou la bataille de Las Navas de Tolosa ? Lépante. Et non, c'était la bataille de Las Navas de Tolosa. Ah. Quelle position recommande le missel romain pendant l'homélie ? Debout, réponse A. Couché, réponse B. Ou assise, réponse C. C, assise. Oui, mais restez debout parce que nous, on continue. J'ai encore quelques questions. Qui écrivit « Dieu souffre parce qu'une grande multitude ne peut être atteinte par la parole sacrée. La vérité est captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. » Saint-Pierre, réponse A. Gutenberg, réponse B. Ou Thomas Diafoirus. Gutenberg. C'est Gutenberg qui est l'auteur de la première Bible imprimée. Bravo Jean-Luc, ça fait 7 points. C'est très bien, c'est un très très beau départ. On va voir si Chantal va atteindre ses 7 points. Comment ça va Chantal ? Ça va bien. Vous nous venez de Lyon ? De Lyon, oui. Qu'est-ce que vous y faites de beau ? Eh bien, je suis guide à Fourvière, oui. Chez Pauline Marie Jaricot, oui. Et à l'espace culturel du christianisme. On a beaucoup à faire avec les chrétiens à Lyon. Oui, oui, bah c'est une grande ville, c'est une grande ville, ouais. Oui, prima de Gaulle. Oui, tout à fait. Alors, cette maison... Pauline Marie Jaricot. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, avec plaisir, parce que justement, on essaye... elle est vénérable et on voudrait bien qu'elle soit sanctifiée, ouais. Mais il lui faut un petit miracle. Ah. Donc, il faut beaucoup prier. Et puis, s'il y a des témoignages, eh bien, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et ouais. Cette maison se trouve sur la colline de Fourvière. Et c'est, donc, elle a beaucoup participé à l'envoi des missions au XIXe siècle, après la Révolution française. Et elle était la grande amie du curé d'Ars aussi. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui vient dans cette maison, on ne se rend pas compte comme ça. Alors oui, il y a du monde, sauf qu'il faut grimper pour y aller. Oui, mais, bon, mais c'est sur la colline, voilà. Oui, et puis ça monte. Mais pour Jean-Luc qui est fan grimper. De randonnée, voilà. C'est bon. Tout est sur la colline et il faut toujours grimper, que ce soit l'espace culturel du christianisme, ouais. Pauline Jaricot ou Fourvière, on grimpe. Et donc vous avez 10 petits-enfants. Oui. Ça doit bien vous occuper ça quand on vous les met en garde. Oui, ben maintenant j'ai plus trop à m'en occuper, c'est plutôt eux qui vont s'occuper de nous. Ah, bientôt. Ils sont grands maintenant, c'est oui, ça oui. Bon, très oui. Bien. On y va pour les questions ? Oui. 2 minutes ?
Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Que fait le prêtre en disant que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle? Il s'agenouille, réponse A. Il rompt le pain, réponse B. Ou bien il se lave les mains, réponse C. Il rompt le pain. Oui, et c'est bon, on a encore du pain sur la planche quand même. Quel est le point commun entre Pierre Canisius, Robert Bellarmin et Laurent de Brindisi? Ils ont été canonisés vivants par l'Église, ils vivaient nus ou ils sont docteurs de l'Église? Canonisés vivants. Eh non, ils sont docteurs de l'Église. Dans une synagogue, qu'est-ce que le paroquet? Une chaire, réponse A. Un rideau, réponse B. Ou un bâton, réponse C. Et je crois qu'Anadèle a la réponse. Alors, une chaire, un rideau ou un bâton? Attention, le temps défile. Une chaire. Et non, c'était un rideau, c'est celui qui ferme l'armoire des rouleaux de la Torah. Dans le journal officiel du 20 août 2013, laquelle de ces propositions était légalement reconnue comme une congrégation? L'ordre des petits pieds de Jésus, réponse A. La fraternité Sainte-Marie du Désespoir, réponse B. Ou la province dominicaine de Toulouse, qui était donc reconnue officiellement comme une congrégation en 2013. Attention, le temps défile. Province dominicaine de Toulouse. Oui, vous voyez la vie en rose, grâce à la ville rose, ça fait deux. La version anglaise du tarot de Marseille appelle cette carte le grand prêtre, the Hierophant. Et la version française l'appelle comment? Est-ce que c'est le diable, le moinillon ou le pape? Le diable, le moinillon ou le pape? Cette carte qui est appelée le grand prêtre en le version diable. Anglaise. Et non, c'était le pape. Quel saint empereur germanique, époux de Cunégonde, est fêté le 13 juillet? Est-ce que c'est Charlemagne? Est-ce que c'est Frédéric Barberousse? Ou bien est-ce que c'est Henri II? Henri II. Henri II, bonne réponse, et ça fait 3. Et on va s'arrêter là. Bon, il aurait fallu peut-être donner des réponses un tout petit peu plus rapides, mais c'est pas grave. Jean-Luc 7, Chantal 3 et Anadèle 2. Jean-Luc et Chantal, vous allez donc avoir la possibilité de choisir les prochaines thématiques dans la manche qui arrive. On se met tout de suite en chemin, les amis. Et comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, attention où on met les pieds, parce que là, il y a 6 thématiques à défier. On va les regarder tout de suite. Petite revue des troupes, comme d'habitude. Et je vous propose Saint et témoin de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi. Et on va terminer avec les questions providentielles. Alors là, il y a un peu tous les thèmes et il faut faire confiance à la Providence pour savoir quelles questions vont tomber. Jean-Luc, s'il vous plaît, 2 thématiques. L'Église et son histoire, et puis question providentielle. Parfait. Et Chantal, s'il vous plaît. Saints et témoins de la foi. Les saints et témoins de la foi. Super. Allez, les scores reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé, Anadèle. Tout va bien, Anadèle. Vous avez la possibilité de remporter cette nouvelle manche, puisqu'on oublie tout ce qui s'est passé tout très à bien. L'heure. Voilà, les scores reviennent à 0. Et on commence donc avec une question. L'Église et son histoire, les mains sur le buzzer, puisque maintenant, vous jouez les uns contre les autres. Depuis le XXe siècle, on trouve sur mon territoire un observatoire astronomique. Je domine le lac d'Albano, qui a accueilli les épreuves d'aviron et de canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'été à Rome en 1960. J'ai obtenu le label des plus beaux bourgs d'Italie, en partie grâce à lui, grâce aussi à la collégiale pontificale de Saint Thomas de Villeneuve, qui bénéficie de l'extraterritorialité. Celle-ci a été conçue par Le Bernin, de même que le palais actuel, où depuis 1604, les papes viennent se reposer l'été. Jean-Luc. Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, c'est une excellente réponse et ça vous fait un point. Anadèle, ça va? Tout va. Je vous sens un peu en perdition. Oui, clairement. Bon, c'est pas du chinois quand même, vous reconnaissez quelques mots? Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça la va. La virgule, c'est tout, c'est bon. Allez, question providentielle. Peut-être un peu plus facile, on verra. Dans l'islam, on m'appelle Zakat, Tsekada dans le judaïsme ou Dana chez les bouddhistes. Je suis souvent évoqué dans le livre de Tobit, où on lit, par exemple, qu'il vaut mieux prier avec vérité et me faire avec justice qu'être riche avec injustice. On y lit aussi que je délivre de la mort et purifie de tout péché, que ceux qui me font seront rassasiés de vie. Le chapitre 6 de Matthieu exige que l'on ne sonne pas de trompette lorsqu'on m'accomplit et qu'au contraire, en me faisant, la main gauche... Offrande ?
L'offrande. Alors, c'est bon, c'était l'aumône que je cherchais particulièrement, mais offrande, ça marche, effectivement, bravo. Le chapitre 6 de Matthieu exige que l'on ne me sonne pas de trompette, qu'on ne sonne pas trompette, donc lorsqu'on m'accomplit, et qu'au contraire, en me faisant la main gauche, ignore ce que fait la droite, je suis don aux nécessiteux sans contrepartie, et je suis donc l'offrande ou l'aumône, ça marche. Allez, petit rappel des scores, Annadelle 1 point, Jean-Luc 1 point, Chantal toujours 0, mais peut-être que vous allez ouvrir votre compteur sur cette question, saint et témoin de la foi, qui est une thématique d'ailleurs que vous avez choisie. Écoutez bien, je suis né à Cologne au XIe siècle et mort au XIIe à l'ermitage de la Torre en Calabre. Chanoine à Reims, j'ai dénoncé la simonie de l'évêque qui sera excommunié, mais j'ai refusé de le remplacer et suis parti en Bourgogne. Sur le conseil de Robert de Molesme, je me suis rendu avec 6 compagnons auprès de l'évêque de Grenoble qui me suggéra de m'installer dans la solitude sauvage. Saint-Bruno. Saint-Bruno, excellente réponse, bravo. Qui me suggéra donc de m'installer dans la solitude sauvage du massif de la Chartreuse. Nous y avons mené une existence austère et laborieuse, ne nous réunissant que pour l'office. Je suis le père de la famille monastique de... Chartreux. De Bethléem. Oui. Le père de la famille monastique de Bethléem, je suis donc Saint Bruno. Et une très belle égalité pour l'instant, on revient à l'église et son histoire. J'ai ouvert mes portes en 1452, accueillant gratuitement vieillards, infirmes, orphelins, malades, parturientes et indigents. Je suis resté en fonction du Moyen-Âge au XXe siècle. Mon fondateur et son épouse voulaient faire de moi, œuvre charitable et mettre leur foi en pratique. Derrière des façades extérieures, plutôt austères, j'abrite autour d'une cour richement décorée. Une chapelle, des cuisines, une apothicairerie, le fameux polyptyque du jugement dernier peint par le flamand Roger van der Weyden, ainsi qu'une grande salle des pauvres où il... Les hospices de Beaune. Les hospices de Beaune, bravo, c'est les pauvres qui vous ont mis sur la voie, la grande salle des pauvres, où donc ils se couchaient à deux par lit. On connaît aujourd'hui mon vignoble et ma vente de charité qui prolonge l'œuvre du chancelier Nicolas Rollin et de sa chère Guy Gonne de Salin, les hospices de Beaune. Bon, 2 points Chantal, 1 point Jean-Luc, 1 point Annabelle. On est parti pour les questions providentielles. Celui d'Adam est réputé enfoui en un lieu majeur de l'histoire du monde, auquel il a donné son nom araméen, Golgotha. Celui de Saint Martial est à Limoges, où il est régulièrement exposé. Beaucoup d'entre nous ornent ces natures mortes que l'on nomme vanité, et où nous symbolisons le caractère éphémère de la vie terrestre. Le crâne. Le crâne, exactement. Nous figurons en bonne place sur les drapeaux pirates. Nous sommes évidemment le crâne. Chantal, bravo, vous prenez la tête. Et nous allons maintenant vous départager, Annadelle et Jean-Luc, puisque Chantal est qualifiée pour la petite finale. Et on va vous départager sur saint et témoin de la foi. Chantal, du coup, vous êtes tranquille, vous ne jouez pas sur cette question. Avocat, journaliste, dramaturge, conférencier, je suis né à Nevers en 1903. Saint et témoin de la foi, rappelez-vous bien. La Première Guerre mondiale fait de moi un orphelin. À 30 ans, un voyage en Algérie pour préparer un article sur Charles de Foucault me fait découvrir la cause qui a embrasé ma vie. Mon épouse et moi ne pouvions engendrer d'enfants, mais nous sommes ensemble les artisans de nombreuses résurrections. Vagabond de la charité, comme on me surnomma, collectant partout des fonds grâce à mes talents d'orateur, j'ai en effet permis de lutter contre la lèpre, ses effets dévastateurs et même la mort... Raoul Follereau. Raoul Follereau, exactement, et même la mort sociale qu'elle représente, la lèpre, je suis Raoul Follereau. Bon, eh bien voilà, Jean-Luc, Chantal, vous accédez à la petite finale. Annadelle ? Oui ? Bon, ben ce fut une belle expérience malgré tout. Ah, il faut aller prendre l'apéro. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Super. Et en plus, vous repartez avec un cadeau. Regardez. Yeah. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Jean-Paul II et Paul de Tarse de la série La Bible.
Et en ce mois de mars, où le soleil recommence à briller enfin, où la nature reprend ses droits, c'est tout à fait le moment de venir ici sur le plateau du QCM pour jouer avec nous. Et pour ce faire, il suffit de répondre à une question. Regardez-là cette question. De quel pays d'Europe la famille du pape François est-elle originaire? Attention, j'ai bien dit pays d'Europe, j'ai bien dit famille et originaire. Ne vous faites pas avoir. Si en tout cas vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com, vous nous laissez bien vos coordonnées. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important. Comme ça, nos équipes pourront vous rappeler puis organiser plus facilement votre venue sur le plateau. Et puis la semaine dernière, rappelez-vous, je vous ai posé une autre question. Je vous ai demandé le nom de la cousine de la Vierge Marie. Est-ce que vous l'avez ici, le nom de la cousine? Elisabeth. Allez-y, pouvez le dire plus fort, Chantal. Elisabeth. Elisabeth, effectivement, c'est Elisabeth. Donc, à tous ceux qui nous envoyaient la bonne réponse, bravo. Et puis, vous aurez peut-être l'occasion de venir sur le plateau. Juste avant de passer à la manche numéro 3, je voudrais faire quand même un petit cadeau à Nadelle, qui est animatrice télé également. Venez là à côté de moi. Allez, ça marche. Voilà, on va passer au sprint final. Très bien. Ça s'appelle le sprint final. Donc, vous faites une petite impro face caméra en disant, voilà, c'est le sprint final. Voilà, allez-y, je vous en prie. Alors, écoutez, je suis Anadèle. On passe au sprint final avec Jean-Luc et Chantal. C'est parti, on y va. Chantal, Jean-Luc, Chantal, nos deux finalistes du jour qui ont vraiment surperformé dans les manches précédentes. Ça laisse présager d'une très très belle finale. Ce sera le 23 mars, notez-le bien. Et en attendant, il y a quand même ces thématiques à défier pour atteindre cette grande finale et puis peut-être atteindre Rome. Vous les voyez, elles sont là. Et comme c'est Chantal qui a eu le plus grand nombre de points dans la manche précédente, eh bien c'est elle qui va avoir la lourde charge de choisir. Et comme d'habitude, je touille. Voilà, pour que vraiment on soit dans le hasard le plus total. S'il vous plaît, c'est à vous. Alors, Saint-Paul. Saint-Paul. Parfait. Vous vous connaissez un petit peu en Saint-Paul? Pas particulièrement? Si? Ah oui? Ah, Chantal, ça lui parle, Saint-Paul. Alors, on y va, les mains sur le buzzer. Et j'ai cette question sur Saint-Paul à vous poser. Quel mois de l'année fête-t-on sa conversion? Sa conversion? Oui. Au mois de juin. Ce n'est pas le mois de juin. Mois de mars. Ce n'est pas le mois de mars. Allez, d'autres propositions. La fête de la conversion de Saint-Paul. Je vous donne un indice, c'est un 25. Voilà. Décembre? Non, ah non, non, ça c'est plutôt... Non, c'est plutôt Jésus, mais... Janvier? Oui, c'est ça, c'est le 25 janvier. Exactement, 25 janvier, où on fête la conversion de Saint-Paul. Quel est le nom actuel du pays où naquit Saint-Paul? Le nom actuel du pays où naquit Saint-Paul? La Syrie. Ce n'est pas la Syrie. Turquie. C'est la Turquie. Et ça fait un point, Chantal. Vous êtes à égalité. Combien y a-t-il d'épîtres aux Philippiens? Deux. Non. Quatre. Non. Trois. Non. Cinq. Appuyez bien, parce que sinon... Cinq. Ce n'est pas cinq. Une seule? Il y en a une seule, effectivement. Bravo Jean-Luc, et ça vous fait deux points. Ah, c'est disputé, j'adore ça. En chemin vers quelle ville fut aveuglé et converti Saint-Paul? Damas. Ah, il faut appuyer. Damas. C'est Damas, effectivement. Heureusement que Jean-Luc est bon joueur, parce qu'il aurait très bien pu appuyer en vous prenant la bonne réponse. Attention à ne pas donner la réponse à haute voix. Je ne sais pas appuyer sur le buzzer comme il faut. Bon, ça fait en tout cas deux partout, c'est très disputé. Et cette nouvelle question maintenant. Selon Paul, le Christ crucifié est scandale pour les Juifs, mais pour les Grecs. Le Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs, mais pour les Grecs. Qu'est-ce que c'est? C'est dans la première lettre aux Corinthiens, pour vous donner un petit indice. Une impossibilité? Ce n'est pas une impossibilité. Un honneur? Ce n'est pas un honneur. Et j'attends le mot exact sur cette question. C'est pas apostasie? Non plus. Non plus. Non. Et c'était la folie. Pour les Grecs, voilà, le Christ crucifié est folie. Je savais pas. C'est pas grave, toujours de partout. Et c'est toujours aussi disputé. Hors les murs, de quelle ville fut exécuté Saint-Paul? Rome. Rome, bravo, ça fait 3 points. Attention Jean-Luc, si Chantal marque le prochain point, c'est elle qui va en finale. Attention, la dernière question. Avec quel apôtre Paul est-il fêté le 29 juin? Saint-Timothée. Alors attendez, Jean-Luc, attendez. Jean-Luc, vous dites? Saint-Timothée. Ce n'est pas Saint-Timothée. Pierre.
Et oui, c'est avec Pierre. Bravo Chantal, vous avez gagné. Félicitations. Merci. Oh, vous paraissez toutes émues. Ça me fait un truc de fait, toute étonnée. Oui. Et oui, effectivement, c'était Saint-Pierre. On fête oui. Pierre et Paul ensemble le 29 juin. Oui, Jean-Luc, un grand merci. Pourquoi Timothée, tiens d'ailleurs? Parce que Saint-Paul a écrit à Timothée. Ah. C'est pour ça que j'ai fait la confusion. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Et en plus, vous avez un petit cadeau, même un gros cadeau, regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Alors, on me dit dans l'oreillette que Timothée fêtait en fait avec Tite le 26 janvier. Donc, c'est peut-être pour ça, voilà, qu'il y a eu cette confusion, parce que le 25, on fêtait la conversion de Saint-Paul. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est à cause du fait que Saint-Paul a écrit à Timothée. Et voilà, bah, c'était ça. C'était ça que j'avais en tête. Un petit coucou peut-être, tiens, bonjour à vos proches. Oui, à ma famille, à mes amis, et en particulier à l'un de mes cousins, Jean-Marie, qui est hospitalisé actuellement. Jean-Marie, on pense très très fort à vous, hein, prompt rétablissement. Chantal, vous serez avec nous à la fin de ce mois. Avec plaisir. Et c'est un bonheur. Et merci à vous et à Catéo. Mais c'est surtout vous qui avez fait tout le travail, hein, vous savez, nous on est là tranquille. Merci à vous maintenant, chers amis. Bah oui, je me dois de vous remercier, vous êtes toujours plus fidèle, toujours plus sympathique sur les réseaux sociaux pour encourager cette émission et même encourager nos candidats. Peut-être que vous avez vibré avec eux. Ben, je vous propose de vibrer peut-être encore plus la semaine prochaine. Et puis si vous voulez revoir cette émission, ktotv.com, évidemment. À très vite.